Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui pour savoir si vous êtes faits pour être ensemble, les amis. Trois tas au choix, comme d'habitude. Tas numéro 1, le quartz rose. Tas numéro 2, le lapis lazuli. Tas numéro 3, l'améthyste. Donc, je vous laisse mettre en pause, choisir, et on va tout de suite passer au tas numéro 1. Je mets en pause et je reviens vers vous tout de suite. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, je le remets ici, puisque c'est ici que j'ai dû le prendre. Et on va commencer par une carte de scie élémentale pour avoir une idée de l'énergie un petit peu de votre tirage. Le lac profondeur. Waouh! J'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être à faire monter à la surface. Ici, je ne vois pas quelqu'un en train de se noyer, je vois quelqu'un qui, au contraire, se pose beaucoup de questions, peut-être se connecte à soi, à ses émotions, à ses sentiments, pour pouvoir faire remonter certaines choses à la surface et dire des choses. Donc, êtes-vous fait pour être ensemble? J'ai l'impression qu'ici, il y a des choses à mettre en lumière, en fait. Peut-être des choses que vous cachez, des choses que l'autre personne cache, pourquoi pas, ça peut être pour vous deux ici, mais il y a en tout cas une connexion aux émotions et aux sentiments à faire monter à la surface. Peut-être des choses qui ne sont pas encore bien digérées par rapport à d'autres relations, par rapport à des comportements. Peut-être qu'il y a des attitudes qui ne vous plaisent pas, vous avez tendance à les occulter un petit peu, à pas regarder les choses en face. Donc là, c'est comme si. Vous savez, certaines fois, on est en train de se baigner, on va au fond, et puis on a l'impression d'être coupé de tout, et puis on remonte à la surface et on voit les choses différemment. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, ici, le fait d'aller se reconnecter à soi-même, mais vraiment de façon profonde, de façon sincère. Pas, voilà, il me plaît, je me pose pas de questions, quoi. Non, on va voir, est-ce qu'il me convient réellement? Est-ce que cette personne peut être un partenaire de vie? J'ai l'impression que vous avez besoin de réponses. Par rapport à des choses quand même assez profondes, assez importantes pour vous, par rapport à ce que vous êtes et comment vous envisagez, vous, une relation ou un couple. Allez, on va les creuser avec le tarot, Mystical Moment, ce que vous avez vu. On prendra après l'oracle des miroirs, donc on va voir. Allez, trois cartes. J'essaye de pousser les choses. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le 7 de coupe, les illusions. Ici, le 7 de coupe, particulièrement avec ce tarot. Ben, c'est vraiment le fait de se faire des films. C'est-à-dire, ben, c'est ce que je vous disais, on est un peu dans la superficialité, mais on a besoin de se reconnecter à des choses plus profondes, des choses peut-être plus ancrées, pour faire le bon choix. Ici, on a quelqu'un qui fait un choix, hein, qui choisit l'étoile, voilà, mais qui doit sortir un peu de. Qui se berce peut-être un peu d'illusion par rapport à certaines choses et qui pendant un moment n'a pas regardé les choses en face. Donc, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. C'est comme si vous étiez resté un petit peu en surface pendant un temps. Hein. Or, au bout d'un moment, il faut faire un choix, il faut choisir. Le 7 de coupe, ça marque aussi le fait qu'on réussit finalement à distinguer le vrai du faux pour moi. Hein. C'est-à-dire que. On a l'impression qu'on a plusieurs choix, mais en réalité, il n'y en a qu'un. C'est le choix du cœur. Hein? Donc, ça nous ramène à ça, ici. Et on a cette idée de profondeur. Donc, la profondeur, aller voir en profondeur, c'est aller faire le choix du cœur, celui qui nous parle le plus, celui qui résonne en nous. Donc, ici, je pense qu'il y a des choses à aller creuser à ce niveau-là. Ici, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, ben, c'est quelqu'un de loyal, mais c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de discipliné, d'endurant. Mais c'est aussi quelqu'un qui va lentement. Donc, est-ce que
Êtes-vous fait pour être ensemble? J'ai l'impression que ici, il va falloir aller creuser. Il va pas falloir forcément se précipiter. Il va peut-être falloir aller, justement, c'est ce qu'on vous dit ici, d'aller regarder en profondeur ce qui vous plaît chez l'autre, ce qui vous déplaît aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous envisagez du long terme? Il va falloir prendre son temps. Hein, on ne se précipite pas, on ne fonce pas comme ça parce que la personne en face donne l'impression de cocher toutes les cases. Non, il faut aller voir au-delà des apparences. Hein, on aurait pu avoir peut-être la lune hein, qui vous invite à sortir justement de l'illusion et puis aller regarder au-delà des choses. De toute façon, elle est là. C'est pas étonnant, hein. Je viens de vous en parler, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne sais pas, mais la lune, c'est ça, c'est une invitation à aller voir au-delà des apparences, à aller, à pas rester dans la surface des choses, hein. Donc on a ce cavalier qui a cette idée de prendre son temps, et puis surtout d'aller creuser, de se reconnecter à son essence profonde. La lune, pour moi, ici, c'est aussi le côté obscur, les profondeurs. Hein, c'est en lien avec les profondeurs hein, par rapport à Staro. Donc les profondeurs, on les retrouve ici. Hein, donc il y a vraiment cette idée, pour le coup, de prendre le temps de faire les choses, d'aller regarder en profondeur et de pas se précipiter. C'est pas parce qu'une personne semble cocher toutes les cases que sur le long terme, ça peut perdurer. Donc il va falloir être beaucoup plus malin que ça ou plus maligne. Il va vraiment falloir se poser des bonnes questions. Ici, c'est un petit peu ça. J'adore. Bon, allez, je vais mettre en pause le temps de pousser un peu tout le bazar qui est là, et puis surtout pour enregistrer ce que je viens de tourner, parce que, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, mon téléphone des fois me joue des tours, et ce serait dommage de perdre vraiment ce tirage, parce qu'il est quand même assez parlant. Donc je mets en pause, et puis on va aller prendre l'oracle des miroirs pour finir compléter ce tirage. Allez, l'oracle des miroirs. Ah, j'en reviens pas. Bon, bref. En ce moment, les cartes ont tendance à se moquer un peu de moi, je trouve. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Si vous avez regardé des tirages précédents, ou des tirages peut-être qui vont venir sur la chaîne que j'ai déjà tournée, qui sont programmés, vous verrez que ça arrivera d'autres fois. Allez, on y va. Santé. Alors, ici, la santé, je la prends jamais, moi, de façon littérale, si je puis dire. La santé, c'est aussi être bien, se sentir bien. Quand on est dans ce set de coupe, on a des doutes, on se pose des questions, on a peur de faire les mauvais choix. Comme on est dans l'illusion, on n'est jamais on sait quelque part quand on se fait des films, hein, on n'est pas dupe non plus. Donc la santé, c'est le fait d'être bien, de se sentir à sa place aussi pour moi, de se sentir en adéquation. Avec soi-même, avec son ressenti. Donc, c'est regarder les choses de façon saine. Et le 7 de coupe, c'est pas le reflet de quelque chose de très sain. Hein, c'est le fait de se perdre un petit peu dans. Et ici, on vous dit attention. Hein, essayez de pas vous perdre dans la relation. Hein, de savoir pourquoi vous êtes avec cette personne. Hein, est-ce que ça flatte votre ego parce qu'il est ou elle est super beau ou super belle? Est-ce que c'est finalement le gars de notre entourage ou du cercle d'amis dont toutes les filles ou dont tous les gars finalement rêvent? Est-ce que c'est un peu le. Je sais pas comment on dit ça, pas un playboy, le beau gosse de service. Allez vous creuser un petit peu le pourquoi du comment. Allez, ici on va voir qu'est-ce qu'on a. Le retard. Le cavalier de denier, c'est clair que c'est pas le plus rapide du lot. Donc ici, franchement, avec le cavalier de denier, le lendemain est sûrement. Qu'est-ce que je vous disais? On va à son rythme, on va tranquille. Si ça doit prendre 3 semaines, ça prend 3 semaines. Si ça prend 2 mois, ça prend 2 mois. Peu importe, on s'en fiche. On est dans son truc. Et ce qui se passe autour, on s'en fiche un peu. Donc le retard ici, oui, c'est un peu normal.
Hein, c'est ce que je vous disais, ne pas vous précipiter, prendre le temps qu'il vous faut. Tant pis si, voilà, c'est plus le bon timing. Ici, il y a cette idée de retard. Bah oui, parce qu'on prend le temps de faire les choses correctement. Et là, la lune, le miroir magique. Donc finalement, ici, le miroir magique, c'est une carte très positive. Hein. C'est la carte qui, normalement, annule tous les effets un peu néfastes que l'on a autour. Donc ici, c'est une carte qui vient terminer votre tirage. Donc qui, finalement, me dit que vous allez faire les bons choix. Vous allez réussir à trouver une solution à cette problématique. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Donc, quel que soit... ici, j'ai envie d'y voir plutôt quelque chose de positif avec le miroir magique. Parce que vous, en fait, avec ce tirage, on voit que vous êtes capable d'aller voir en profondeur, d'aller au-delà des apparences, de pas vous fier finalement à cette première approche, ces premiers critères finalement de choix que vous vous êtes peut-être donné. Hein. Vous avez l'énergie du cavalier de Pentacle qui vous invite à être sûr de vous, à faire les choses correctement. Et ici, c'est une invitation à aller voir en profondeur. Et je pense qu'ici, vous allez y arriver parce qu'on a quand même cette carte de la santé. Oui, ça prend un peu de retard, mais par contre, il y a le miroir magique à la fin qui est là pour vous dire. Quel que soit votre choix, ce sera le bon choix de toute façon. Donc, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Ben, il faut aller creuser, il faut se poser les bonnes questions, il ne faut pas rester peut-être dans le côté superficiel de la relation en se disant on s'entend bien, on ne se pose pas de questions, mais est-ce qu'au fond de vous, c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que vous recherchez chez quelqu'un? Est-ce que vous n'êtes pas un tournant de votre vie, vous vous posez beaucoup de questions pour savoir si c'est vous n'avez pas envie de fonder une famille, par exemple, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est une personne qui va pouvoir s'entendre avec vos enfants si vous avez des enfants d'un premier mariage? Est-ce que cette personne peut être un soutien si vous avez besoin de soutien en ce moment? Vous voyez, il y a plein de choses à aller voir et vous allez faire le choix du cœur. Donc pour moi, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Bah, j'ai envie de vous dire, ici, c'est un peu pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, parce que vous avez quand même le miroir magique ici. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et des anges de l'amour, et puis on terminera là-dessus. Osez faire le premier pas. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ici, c'est intéressant parce que qu'est-ce que je vous disais? Ne vous fiez pas aux apparences. Allez creuser si vous estimez qu'il y a besoin d'aller creuser. Êtes-vous fait pour être ensemble? Ben, d'abord, on apprend à se connaître. On ne reste pas dans l'illusion. On ne reste pas dans le paraître. On ne reste pas dans la superficialité des choses. Hein. On va creuser en profondeur. Ici, c'est relié à cette carte-ci. Hein. Aller creuser en profondeur. Et ici, oser faire le premier pas. Alors ici, c'est pas faire le premier pas si c'est quelqu'un juste qui vous plaît. En fait, ici, c'est si vous avez des questions, osez faire le premier pas, oser aller poser les questions, oser aller demander plus d'informations sur les attentes de la personne, sur ce qu'elle attend d'une relation, sur peut-être à quel endroit elle en est de sa vie. Si c'est ça que vous attendez de votre relation, alors il ne faut pas hésiter à poser des questions dès le départ. Hein. Voilà. Mais en tout cas, prenez votre temps. Allez au fond des choses si vous estimez que c'est nécessaire. Allez au fond des choses si vous avez des questions. Allez au fond des choses si vous avez besoin de réponses à des peurs ou des blocages que vous avez. Hein, parce que n'oubliez pas, on a quand même la lune et le 7 de coupe ici. Il y a vraiment cette notion de attention à pas vous bercer d'illusions. Hein. Prenez votre temps. Donc, et si bah, il y a un retard, si finalement le timing n'est plus bon, bah, c'est que c'est dans l'ordre des choses en fait. Hein. Lune cardinale, oser faire le premier pas, pour moi c'est ça. C'est il ne faut pas avoir peur de poser ses intentions, de poser ses limites, de poser aussi ses attentes. C'est pas oser faire le premier pas, voilà, je vais lui demander l'heure, histoire qu'il me remarque. Non, c'est ici cette carte pour moi, c'est pas ça. On va bien plus en amont, bien plus en avant des choses. Hein. Mais apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne pouvais pas avoir meilleure carte que celle-là ici. Voilà. Bon, bah, écoutez, ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est ni oui ni non. C'est vraiment
Wait and see plutôt. C'est-à-dire, prenez le temps de faire les choses correctement et là, vous pourrez savoir si vous êtes fait pour être ensemble ou pas. Hein? Mais vous précipitez pas. Le conseil, c'est ça. Prenez le temps. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. On va aller voir maintenant ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, ceux qui ont choisi le lapis lazuli, mais on va le mettre là-bas. Allez. Et on va commencer par une carte The Elemental pour voir un peu l'énergie de votre tirage à vous. Un tirage très bluffant pour les premières. J'ai beaucoup ri. On va voir si on a le même genre de choses ici. Allez, on y va. Le vent, le changement. Oh, j'ai l'impression que va y avoir des bouleversements, des changements dans l'air. Donc, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? On va voir si c'est un changement par rapport à vos relations précédentes ou c'est vraiment le changement. Vous êtes en train de, voilà, de bouger, de vous orienter vers autre chose. On va voir vraiment là pour le coup ce qui se dégage du tirage et ce qui se détache de tout ça. Allez, on va les prendre trois cartes du Elemental. Alors, ça peut être un changement pour le meilleur, c'est pas forcément des choses qui bougent pour le pire, hein. Donc, on va voir ce que ça vient nous raconter ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? Deux deniers. Alors, ici, c'est vraiment ce besoin de s'adapter ici. Il y a une idée d'adaptation, de flexibilité, d'équilibre. Et ici, avec le changement, le besoin de s'adapter. Donc, j'ai l'impression que ici, il y a une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre, mais qu'il y a une capacité aussi à bouger un petit peu, changer votre fusil d'épaule selon ce qui se passe dans votre vie. Êtes-vous fait pour être ensemble? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est capable de vous adapter à une personne, à une situation, de faire des compromis, de peut-être d'évoluer aussi par rapport à des relations précédentes. On va voir les autres cartes, mais pour l'heure, ça ne fait pas pencher la balance dans un sens ou dans un autre. On va voir avec les autres cartes un petit peu ce qui en découle. Et ici, on a le 3 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes ici, qui est en plus au centre du tirage. Le 3 de bâton, c'est vraiment étendre son horizon. C'est faire aussi peut-être des progrès, avoir suffisamment confiance en soi. Pour moi, c'est un petit peu la carte de tous les possibles, c'est-à-dire que c'est le début finalement du chemin. Tout est encore possible, mais pour moi c'est aussi la carte des doutes et des questionnements. Hein. C'est-à-dire que inverser cette carte pour moi, c'est se poser beaucoup de questions, avoir du mal à visualiser et se projeter dans l'avenir. Hein. C'est comme si l'horizon était bouché. Hein. On est un peu à l'inverse de justement cet horizon qui s'ouvre. On a un peu l'horizon bouché, on a du mal à voir ce qui se passe. Par contre, ce qu'on remarque, c'est la hauteur. Hein. Il y a une prise de recul, je pense, sur les choses. Donc, on va voir ici la troisième carte. Encore quelqu'un en hauteur, on a le 6 d'épée. J'ai l'impression qu'ici, il y a du changement. On a quelqu'un en mouvement ici. J'ai l'impression que vous êtes en pleine remise en question. Avec ce 6 d'épée, ça vient un peu conforter ce que je ressentais, hein, c'est-à-dire ce doute, ce questionnement, avoir l'impression de ne pas réussir à se projeter. Ce changement, c'est peut-être ça, justement, que vous avez du mal à trouver l'harmonie et l'équilibre dans la relation telle qu'elle existe. Encore une fois, c'est pas forcément un changement de personne, c'est un changement aussi de perspective, de plan, hein, c'est comme si, ici, la relation ne vous convient pas telle qu'elle existe. Donc il va falloir soit repartir à la conquête de cette relation, ouvrir des horizons, hein, ouvrir peut-être les possibilités,
pour réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre. Mais en tout cas, vous avez besoin de laisser derrière vous une situation qui est plutôt difficile, qui ne vous convient pas forcément. C'est une période de transition, pardon, de changement. Mais ici, avec ce jeu, c'est aussi une carte d'espoir avec le fait d'aller d'avant. Donc ici, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Eh bien, je vais être assez clair. En l'état actuel des cartes, non. Pas. Alors, ce n'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de situation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, vous avez du mal à trouver cet équilibre entre vous, cette harmonie. Parce que vous, justement, la situation fait que ça vous perturbe, ça vous pose beaucoup de questions. Et du coup, vous avez envie de faire bouger les lignes, en fait. C'est plutôt la situation plus que la personne qui vous préoccupe. Donc, vous êtes peut-être en pause, en silence, peut-être que vous êtes en questionnement, en doute, mais est-ce que vous êtes fait pour être ensemble en l'état actuel des choses? Non, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que vous avez besoin d'une prise de recul ou que la personne en face a besoin de prendre une pause pour se poser les bonnes questions. En tout cas, il y a quelque chose dans la situation qui fait que ça n'a rien à voir avec l'amour, en fait. C'est que vous n'arrivez pas à vivre ensemble au quotidien, peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre du changement et de devoir faire bouger les lignes pour que ça fonctionne entre vous. Si vous perdurez et si vous persistez dans la situation en tant que telle, c'est sûr que vous allez prendre le large ou la personne va prendre le large. Il y a une ancre, hein, regardez ici. Ici, il y a l'étoile. L'étoile, c'est quand même l'espoir, l'espérance, c'est celle qui vous guide. Et vous avez une ancre qui vous permet de jeter l'ancre quand vous le souhaitez. Hein. Par contre, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment. Hein. La situation telle que vous la vivez n'est pas favorable, si vous voulez, à ce que vous arriviez à vous projeter avec cette personne. Ici, bah, il y a des possibilités, mais en fait, il y a trop de questions et de doutes pour l'instant. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça vient nous dire. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Et là encore, alors je remonte juste les cartes. On va aller prendre trois cartes. Je les ai bien mélangés avant. Je les ai mélangés en, je sais plus comment ça s'appelle, shuffle, en, je sais plus. Alors, la famille. Alors ici, peut-être que il y a un problème de timing par rapport à de la famille. Peut-être une famille recomposée, des enfants qui ne sont pas d'accord. Il y a une perte d'équilibre et d'harmonie ici, sans doute à cause de problèmes familiaux aussi. Hein. Mais j'y vois aussi quelque chose qui a besoin de s'ancrer. Une situation peut-être qui manque d'ancrage, qui manque de racines, qui manque de profondeur, qui est encore au tout début. Donc on est en train d'essayer de s'ajuster à l'autre. On a du mal à trouver finalement son équilibre dans la relation parce qu'on se connaît encore peu. On a du mal à... On a beaucoup de questions parce qu'on ne connaît pas les attentes, on ne connaît pas les doutes, on ne connaît pas les peurs, on ne sait pas trop ce que l'autre attend de nous. Il y a quelque chose en lien soit avec des racines, quelque chose qui a besoin de prendre racine justement, avoir une certaine, trouver ses fondations, ou alors un manque d'équilibre par rapport à des problèmes familiaux ou des problèmes peut-être liés aux enfants. Hein, comme s'il y avait d'autres choses à penser avant de se concentrer sur la rencontre, la relation, et voilà. Ici, bon, de toute façon, on a le mot famille, donc pour moi, la famille, c'est peut-être l'héritage aussi, des difficultés avec la transmission de valeurs, peut-être quelque chose comme ça, mais ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens vraiment que soit des problèmes liés à des problèmes familiaux, donc bah, finalement, on n'est pas très dispo dans la relation parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Ou alors le besoin vraiment de trouver des fondations pour cette relation qui permettrait de répondre aux questions et justement d'ancrer ici
cette carte un peu plus. Parce qu'ici, on a envie de laisser la situation telle qu'elle est. Elle ne nous convient pas. On a des doutes, on a trop de doutes, trop de questions. Et pourtant, on a un potentiel et des possibilités. Il y a de la hauteur ici. Hein. C'est-à-dire que on est quand même capable de prendre de la hauteur sur les choses et de regarder les choses de façon élargie, de ne pas être omnubilé par les détails, mais de voir la situation dans sa globalité. Et pourtant, c'est comme si, malgré tout ça, on n'y arrivait pas. Quelque chose nous empêchait d'aller de l'avant. Et si, ben voyez, il y a encore cette idée de famille d'enfants. Donc j'ai l'impression que c'est comme si il y avait des enfants ou d'un premier mariage, où il y avait des enfants en difficulté, ou des enfants qui vous posent des soucis, peut-être en crise d'adolescence, pourquoi pas, sur qui vous êtes complètement concentré, et du coup qui vous empêchent de vous épanouir dans votre relation. C'est comme si ces problèmes avec les enfants pouvaient absorber toute l'énergie que vous avez. Et que vous avez du coup plus d'énergie pour autre chose. Il y a cette idée-là, mais ici les enfants c'est aussi la nouveauté. Hein. On a cette idée ici de changement, donc il y a cette idée peut-être d'essayer de mettre en place d'autres, de nouvelles fondations, d'autres fondations. On a encore cet arbre ici, cette présence de l'arbre, cette idée de famille, d'enfants. Peut-être pour certains qui se posent la question si c'est le bon moment pour créer une famille, avoir des enfants, pourquoi pas. Hein, mais êtes-vous fait pour être ensemble ici? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il y a quand même ce 3 de bâton qui est quand même la conquête, voire cette idée de vouloir un petit peu conquérir le monde, ce champ des possibles devant vous. Et c'est comme si vous vous empêchiez un petit peu de... vous n'arrivez pas à vous autoriser à y aller. Hein. Allez, on va voir la dernière carte. Eh ben, la carte du retard. Oh, c'est marrant, cette carte, elle est sortie au tirage précédent. Donc là aussi, il y a cette notion de timing. Hein, quand je vous disais, vous avez peut-être du mal pour l'instant à vous projeter, qu'il faut changer. Il faut réussir à bouger les lignes si vous voulez, je pense, vous projeter avec cette personne. Alors ici, ce que je ressens, bizarrement, c'est plutôt une famille recomposée, avec soit des enfants qui ne sont pas d'accord, soit des problèmes liés aux enfants qui vous prennent toute votre énergie, et du coup, il y a beaucoup de questionnements. Peut-être de l'ordre, est-ce que j'ai les épaules pour assumer les difficultés engendrées par ses enfants? Est-ce qu'il a les épaules pour me soutenir alors que ses enfants sont entre nous, par exemple? Il peut y avoir des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en transition, en mutation ici. Et on retrouve cette idée de transition, de changement aussi ici et de vouloir avancer. Il y a une volonté d'aller de l'avant, en tout cas. Mais il y a une volonté de ne pas vivre forcément, laisser cette situation perdurer. Donc, est-ce que, pour répondre à la question, êtes-vous fait pour être ensemble? En l'état actuel des choses, je pense qu'ici, il y a d'autres problématiques à régler avant. Avant, ouais. Il y a beaucoup de réponses, il y a des réponses à apporter. Il y a du changement à mettre en place dans votre façon de fonctionner aussi, peut-être. Peut-être que bah, ou vous ou la personne en face estimez que bah, vous accordez peut-être trop de place à vos enfants qui ont peut-être fait leur vie. Vous êtes peut-être un peu une mère poule ou un père très protecteur qui vous immiscez pas mal dans la vie de vos enfants, même s'ils n'ont rien demandé. Il y a des gens comme ça qui sont toujours très présents. Il y a quelque chose lié sans doute à la famille ici. Qui vous empêche de vous épanouir tel que vous pourriez vous épanouir, hein, qui est plutôt ici comme un frein. Alors j'aime pas dire ça parce que la famille c'est pas censé être un frein, mais ici ça l'est. C'est comme si cette énergie que vous devriez mettre dans la relation, elle était justement détournée vers des problèmes liés à la famille. Et du coup ça crée du retard. Alors est-ce que vous êtes capable de supporter ce retard? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, bah, moi je change, bah, tant pis, si on n'est pas fait pour être ensemble, bah, il faut arrêter les frais maintenant au lieu d'attendre, ça ne sert à rien d'attendre. Après, c'est vos choix à vous. Mais si êtes-vous fait pour être ensemble, bah, j'aurais tendance à dire,
pas en l'état actuel des choses, ça me semble compliqué. Il y a d'autres choses à régler avant, ici pour moi. Allez, une carte de des anges. Alors, je la pose juste devant, là, en attendant d'avoir tiré l'autre, même si vous ne la voyez pas. Pardon, je vais tirer devant vous. Ça va être beaucoup plus simple. Allez. Des fois, je fais des trucs dans mon coin. Allez, hop. Le lunologie, j'en ai partout. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc votre engagement est mis à l'épreuve. Bah, c'est ça, la dépendance, c'est pas forcément la codépendance vis-à-vis de l'autre. En fait, c'est la dépendance par rapport à des choses annexes pour moi. Votre engagement est mis à l'épreuve. Bah oui, vous avez beaucoup de questionnements. Alors, ça, comme je vous dis, ça peut être inversé, hein. Ça peut être l'autre, hein, si vous estimez que c'est plus en rapport avec la situation de la personne avec vous. Mais vous me posez beaucoup de questions. Il y a du retard. Votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a du retard. On est dans le premier quartier, donc on est. Enfin, c'est vraiment le début. Mais ici, il y a, je pense, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est ce que je vous disais. C'est comme si votre énergie, qui devrait être mise dans votre relation ou dans votre couple, elle était complètement absorbée par autre chose. Et je pense que c'est par rapport, sans doute, à des soucis liés. Pour moi, à la famille. Alors, ça peut être à des parents, peut-être âgés, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de présence. Et du coup, ben, des fois, le conjoint a du mal à comprendre ou peut-être des choix que vous devez faire, à comprendre aussi la façon d'aborder certains problèmes. Hein. Chacun réagit différemment par rapport à sa famille, ses parents, par rapport à la relation que vous avez avec vos parents. Hein. Il y a des gens qui s'entendent très bien, qui sont très fusionnels, d'autres qui sont, voilà, qui se sont éloignés au fil des années. Mais il y a quelque chose lié à ça, en tout cas ici, pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez. Et il y a du retard. Donc après, est-ce que vous êtes capable de, voilà, de vous dire que vous pouvez attendre ou pas? C'est comme si vous étiez un petit peu pas défaitiste, mais vous avez envie de toute façon que les choses changent, hein, d'une façon ou d'une autre, ça bouge. Vous en avez marre d'avoir l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer, d'être perpétuellement en train de chercher l'équilibre et l'harmonie. Vous avez envie de sortir de ce genre d'énergie ici. C'est comme si vous viviez tout le temps au jour le jour. Vous avez besoin de vous projeter. Et du coup, vous avez du mal à vous projeter. L'horizon, il est ouvert. Pourtant, vous avez le champ des possibles devant vous. Mais en fait, il y a plein de doutes, il y a plein de questionnements, il y a plein de choses qui bloquent. Et du coup, vous avez envie de laisser cette situation derrière vous, ne serait-ce que pour provoquer en fait quelque chose, pour faire bouger les lignes. À mon avis, voilà où vous en êtes avec, où vous en êtes avec ce tirage. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais mettre en pause pour récupérer les cartes et on va aller voir ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste. On va d'abord prendre une carte The Elemental pour avoir l'énergie un petit peu de votre tirage. Et puis après, on ira voir avec le tarot, les oracles, ce que ça vient nous dire. Alors, deux tirages précédents très intéressants, dont un assez bluffant. je vous invite aussi à aller les regarder une fois que vous aurez fait visionner le tirage que vous aviez choisi. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir l'ensemble après de la vidéo proposée. Allez, on y va. Nettoyage. Oh, storm. Beaucoup d'intensité, beaucoup de choses qui semblent arriver. L'envie aussi peut-être de faire table rase de certaines choses. J'ai l'impression, êtes-vous de fait pour être ensemble? J'ai l'impression qu'il va y avoir de la rumba dans l'air ici. Hein. Allez, ça va pas mal bouger. On va aller voir avec le tarot ce que ça vient nous dire. Quelqu'un m'a dit une fois que bah,
J'avais pas un avis tranché, mais en fait, les cartes, des fois, elles ne vont pas vous dire blanc ou noir, elles vont vous dire, bah voilà, en ce moment, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, donc ça penche pas forcément d'un côté plus que de l'autre, donc c'est normal, des fois, d'avoir des tas un petit peu entre deux, hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Va prendre trois cartes. Alors c'est marrant que le Mystical Moment, j'ai l'impression de toujours avoir un petit peu le même genre de cartes. Il y a des cartes que j'ai jamais vues encore. C'est très bizarre, mais on va se dire que c'est normal, mais c'est assez curieux. Alors, la Reine d'Épée, on regarde la vérité en face. On est lucide, on est dans le discernement, on tranche dans le vif si besoin. Et ici, non seulement on est en hauteur, donc on regarde, on a une vue assez élargie des choses, mais on va aussi regarder le détail de certaines choses. Donc on est vraiment ici dans le besoin dans la recherche de compréhension par rapport à une certaine situation, mais j'ai l'impression que ici, on est en train de faire un petit peu du nettoyage dans la situation, dans sa vie, dans ses émotions. Il y a un gros, gros nettoyage, beaucoup d'intensité, beaucoup de choses où voilà, on y va et peu importe si ça fait mal ou pas, mais en tout cas, c'est un peu comme l'énergie de la tour ici, c'est un peu comme détruire pour reconstruire. Hein. On fait table rase pour voilà, nettoyer et on repart pour des énergies toutes propres, toutes neuves derrière. Et ici, on a quelqu'un qui regarde la vérité. Donc, on est plutôt dans des énergies. Êtes-vous fait pour, êtes-vous fait pour être ensemble? J'ai l'impression que ça s'annonce quand même un peu compliqué dès le départ. Allez, on continue. Natacha, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit clin d'œil. J'espère que tu choisiras ce tas, parce que cette carte est sans doute pour toi. Non, trêve de plaisanterie, le voyage intérieur au centre de votre tirage, beaucoup de remises en question, ça c'est clair. Besoin de comprendre. La déception, le fait de vouloir quitter une situation difficile, on a la reine d'épée ici, bah, j'ai l'impression que vous tranchez dans le vif et que vous décidez de faire. Ça, c'est un voyage que l'on fait seul. Hein. Ce n'est pas un voyage que l'on fait à plusieurs, à deux, ce n'est pas un voyage de groupe, un voyage organisé. Non, ici, c'est. Voilà, on est sur un peu. On est plutôt en pèlerinage, si vous voulez. Donc. Ouais, ici, on va prendre l'autre carte et puis je viendrai voir comment les cartes interagissent. Mais ici, de toute façon, c'est la carte du cheminement personnel. Hein. Donc, quand on parle ici de nettoyage, en général, c'est pas pour recouler et filer le parfait amour à deux. Hein. C'est plutôt quelque chose qui permet de laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient pas hein, pour faire table rase. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui aussi tranche dans le vif. Hein. Même si la vérité fait mal, et ben la vérité c'est ce qui semble juste à ce moment-là. C'est l'attitude à adopter, l'attitude qui peut nous aider à avancer. Et avancer vers quoi? Vers ce cheminement justement intérieur. Allez, on y va. Ici, regardez, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, en fait, pour moi, c'est finalement ce qu'on espère, hein, ce qu'on espère atteindre. J'ai l'impression que finalement, vous savez, ça c'est un peu la situation rêvée, ce que vous aimeriez atteindre. J'ai l'impression que vous savez, vous regardez les choses, vous avez envie de ça, mais vous savez pour l'instant que c'est pas ce vers quoi vous allez en réalité. J'aurais le sens inversé ici. Hein. Par contre, peut-être que justement, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que ce nettoyage, il est pour le meilleur, c'est-à-dire il va vous permettre de prendre conscience que c'est finalement c'est à ça que vous aspirez. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, qui avait du mal peut-être à vous engager, qui est dans des relations pas forcément superficielles, mais vous savez que ce sont pas des relations où vous arrivez vraiment à construire, où vous n'êtes pas
pas en train de vous dire, tiens, je vais me marier, je vais me poser. Hein, vous avez tendance peut-être à vivre un peu au jour le jour, d'où ici peut-être un manque de stabilité. Hein, et finalement, vous regardez les choses en face, vous entamez ce voyage pour essayer de tendre vers ça. Ça peut être ça aussi. Hein, parce que vous dites, bah, finalement, c'est maintenant, je suis à un moment de ma vie où c'est ce vers quoi je tends. Mais en tout cas, ici, je ne veux pas être défaitiste ou méchante, mais la question étant, est-ce que vous êtes fait pour vivre ensemble? Non. Vous aspirez à ça, mais je pense que c'est pas, ici, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Sans ça, on n'aurait pas ces cartes-là ici, ce voyage à faire. Si il y a cette carte du nettoyage, la reine d'épée qui est là pour trancher, regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on a envie qu'elles soient, mais telles qu'elles sont réellement, qui regarde la vérité en face, ce voyage intérieur, bah, c'est pas parce que vous êtes justement bien, vous êtes parfaitement à votre place, vous êtes là où vous devez être. Non, pas du tout. Vous êtes en train justement de remettre les choses en perspective parce que peut-être c'est ça qui vous fait envie, hein, c'est ça que vous êtes en train de regarder ici. À travers votre lorgnette, c'est cette carte-là que vous regardez. Or, vous savez que avec la personne avec qui vous êtes, c'est pas ça. C'est pas la bonne personne. Je vais être franche. Hein. Des fois, on me dit que je dis trop les choses pour plaire. Ben, excusez-moi, mais non, je pense pas. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne personne. Ça, c'est ce que vous aimeriez. Et en fait, vous êtes en train de tout changer pour obtenir ça, bah parce que justement, vous ne l'aurez pas avec cette personne. Allez, on va prendre trois cartes. Et on va les voir. La clairvoyance. Là là, mon Dieu. Bon, allez, la reine d'épée, la clairvoyance, ben oui. Ouais, c'est la reine d'épée, c'est celle qui est lucide, qui est dans le discernement, qui regarde les choses telles qu'elles sont. Donc, elle a une part de clairvoyance en elle, c'est sûr. Donc, ici, ça vient conforter l'idée qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Vous arrivez finalement à voir les choses. À percevoir les choses. Hein, donc ici, ça vient nous conforter finalement dans cette carte de la reine d'épée en réalité. Hein, allez, on continue, on va aller voir la trahison. Donc ce voyage intérieur, bah, peut-être qu'il vous permet de prendre conscience que vous êtes un peu perdu en route, que vous êtes trahison, c'est pas seulement la trahison de l'autre, c'est aussi se trahir soi-même, trahir peut-être ses engagements, trahir ses attentes, trahir ses convictions profondes. Hein. Peut-être que vous êtes avec une personne, vous savez depuis le début que c'est pas la bonne personne. Et en fait, vous avez quand même. Vous vous êtes dit, bah tant pis, je sais que c'est pas la bonne personne, j'y vais quand même. Voilà, pour différentes questions, peur d'être seule, l'ego, enfin peu importe. Donc peut-être que vous êtes trahi, ou peut-être que cette personne vous a trahi, d'où ici le besoin de faire ce nettoyage, le besoin de voilà de remettre les pendules à l'heure et de vous dire, ben non, clairement c'est pas la bonne personne pour moi. J'aurais toujours, c'est quelqu'un peut-être en qui j'aurais jamais confiance, je pourrais jamais lui faire confiance. Je me suis sentie trahie, donc ce cheminement je dois le faire seule. Et ça explique aussi le fait d'être une carte de quelque chose où on se retrouve à faire des choses pour soi. Hein, parce qu'il y a cette idée d'avoir soit de s'être trahi dans ce travail, du coup, ce voyage intérieur, il est nécessaire aussi, soit on a été trahi et on a besoin de comprendre peut-être les choses, de savoir finalement qu'est-ce que l'on veut réellement, hein. Est-ce que l'on veut continuer comme ça ou est-ce que l'on veut tout nettoyer et puis voilà, filer un coup de pied dans la fourmilière et puis avec cet orage. L'orage, c'est quelque chose, une décharge très intense. Mais après l'orage, souvent on a l'impression que tout a été nettoyé, l'air sent différemment, on a l'impression que la pollution a été comme lavée. Il y a quelque chose d'un peu d'être passé dans le tambour d'une machine à laver un petit peu. Hein. Et ici,
Ben pour moi, cette carte, finalement, elle vient un petit peu conforter hein, ce que l'on voit ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'amitié, finalement. Donc, j'ai l'impression que cette personne, ben, peut-être qu'elle va, vous allez la garder dans votre cercle d'amis. Hein. Peut-être que vous allez avoir le soutien aussi de vos amis. Peut-être que vous allez, du coup, pendant cette période un peu transitoire, être beaucoup plus focus sur vos amis, avoir besoin de soutien, avoir besoin peut-être de conseils, d'avoir des gens présents autour de vous, pas forcément des gens qui portent un jugement ou qui vous disent, tu vois, on l'avait bien dit, c'est pas quelqu'un pour toi, nanana, mais plutôt des gens justement qui ne vous jugent pas, qui sont là à votre écoute si vous en éprouvez le besoin, qui sont bienveillants tout simplement vis-à-vis de vous. Mais c'est comme si vous alliez avoir besoin de vous recentrer sur vos amis à ce moment-là, vous recentrer plutôt sur les liens sociaux, sur les sorties, sur vous changer les idées pour repartir vers autre chose. Ici, c'est ça que je ressens en réalité. C'est ce besoin de, voilà, de réaliser que c'est pas la bonne personne. Ça veut pas dire que vous avez perdu votre temps, hein, parce qu'on apprend de ses erreurs et on apprend de toute façon dans chaque relation, on apprend. Hein, et puis, ça veut pas dire que cette personne n'est pas estimable ou n'est pas aimable, digne d'être aimée ou n'est pas quelqu'un de bien, n'est pas une bonne personne. C'est simplement que vous n'aviez pas les mêmes attentes, vous n'étiez pas synchro quant à votre façon de voir une relation. Ça arrive, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein, mais ici, on ne va pas se mentir, pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Parce que vous aspirez plutôt à ça maintenant. Et ici, on a cette carte quand même de la trahison qui est aussi une des cartes qui est au centre. Hein, donc, c'est comme si vous aviez besoin voilà, de regarder les choses vraiment, d'arrêter de vous leurrer, d'arrêter de vous bercer d'illusions, de faire un bon nettoyage dans tout ça, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Storm, c'est un peu l'énergie de la tour. On a cette idée de choc, un petit peu, hein, de choses qui arrivent de façon un peu brutale, mais on a besoin finalement de cet électrochoc pour prendre conscience des choses. Et on a la reine d'épée, la clairvoyance derrière, le besoin de, voilà, de se recentrer un peu sur soi pour faire suivre sa propre route et savoir où on en est, peut-être de son parcours, peut-être aussi de remettre un peu, se remettre un peu cette trahison que l'on a pu vivre. Trahison peut-être de soi-même, hein, mais aussi peut-être de l'autre en se disant ben, finalement j'avais raison de ne pas lui faire confiance, peu importe. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est ce que vous avez en ligne de mire et clairement, pour l'instant, c'est pas la bonne personne. Allez, je vais juste mettre en pause et on va les prendre pour sauvegarder et on va aller prendre la lunologie, les anges de l'amour et on va voir ce que ça vient nous raconter. Allez, une carte des anges de l'amour. Oups. Une carte de la lunologie. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Trahison, hein, tromperie, mais ça peut être vous, hein, qui n'avez pas peut-être été honnête en disant, ben, je sais dès le départ que c'est pas quelqu'un pour moi, mais peut-être que les choses vont changer et tant pis, je tente le coup, on verra ce qui se passe. C'est pas forcément la tromperie dans le sens adultère ici que je vois. Hein. D'ailleurs, c'est un masque. Hein, quand on porte des masques, voilà, on peut cacher des choses et voyez, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Donc ici, en fait, il y a quelque chose. Bah, peut-être soit quelqu'un qui n'a pas été honnête dès le début. N'oubliez pas, on a la reine de la vérité ici. Cette idée de tromperie, cette idée de clairvoyance. Ici, on a encore cette idée aussi de, voilà, peut-être d'être beaucoup plus sincère. Ici, insuffler de l'amour dans la situation, c'est aussi l'amour de soi. Hein. C'est pas seulement l'amour de l'autre ou quelqu'un qui ne vous aime pas. Non, c'est peut-être faire les choses pour de mauvaises raisons. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que c'était ça. C'est comme si vous étiez pas sur la même longueur d'onde en réalité. Ça peut être vous par rapport aux attentes de la personne en face, ou ça peut être la personne en face par rapport à vos attentes à vous, mais il y a quelque chose de l'ordre
du non-réciprocité dans les attentes, pas forcément dans l'amour porté. Et on vous dit bah, peut-être de faire les choses aussi avec bienveillance. Hein. Ce n'est pas forcément jeter la personne du jour au lendemain, mais faire les choses correctement malgré tout. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, qui est honnête, qui fait les choses avec justesse, avec droiture, hein, qui peut se regarder en face. Hein. Et ici, pour moi, il y a besoin de remettre certaines choses à leur place, en fait, à leur juste place, en fait. C'est ça que je ressens ici. Comme si vous n'étiez pas du tout synchro par rapport à des attentes, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que êtes-vous fait pour être ensemble? Clairement, non. Vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que vous êtes un peu fourvoyé dans la relation. Disons que vous n'êtes pas ensemble pour de bonnes raisons. Vous n'êtes pas ensemble pour l'amour, vous êtes ensemble pour autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein. Me faites pas dire ce que je vais pas dire, je veux être claire avec ça. Mais vous êtes peut-être aussi ensemble par peur d'être seul, simplement. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls, hein, qui ont besoin, voilà, qui ont besoin de. Ça les rassure quelque part. Ils se sentent peut-être protégés dans une relation. Ça peut être aussi par rapport à l'ego, le fait de, bah, d'être avec quelqu'un qui vous valorise. Ça peut être ça, ça peut être aussi être ensemble pour quelque chose de pratique. Bah voilà, c'est finalement, il y a moins d'amour qu'au début, mais on reste ensemble pour de mauvaises raisons. Hein, parce qu'on a des biens en commun, parce que le confinement faisait que c'était compliqué de chercher un autre appart. Vous voyez, il peut y avoir plein, plein de choses. Hein, mais en fait, c'est comme si vous ne regardiez pas les choses en face pendant un moment, et là, voilà, il y a un moment où ça craque, où évidemment qu'à un moment ça pète et que la vérité fait surface et vous vous la prenez en pleine figure. Ici, nettoyage, c'est ça aussi, hein, c'est se prendre les choses en pleine face, de façon un peu brusque, un peu brutale. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Hein, donc voilà. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est un tas beaucoup plus difficile, mais il est aussi là pour vous aider peut-être à redresser la barre. Hein. Il n'y a pas de fatalité dans les cartes. Peut-être que c'est cette carte qui va vous parler. Peut-être que c'est cette carte en disant, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui n'est plus en accord avec ses valeurs, bah ça va peut-être faire écho en vous. Hein, ça ne veut pas dire que tout le tirage en son ensemble, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un bilan, de prendre le temps de se poser. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vraiment faire un gros nettoyage dans sa vie parce que c'est plus possible, parce que c'est pas la bonne personne, parce que il y a un moment, il faut mieux être seul que mal accompagné, parce que cette personne, peut-être qu'elle vous tire vers le bas, qu'elle est toxique pour vous. Peut-être que c'est une relation toxique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que simplement. Vous détruisez mutuellement. Hein, parce qu'il y a trop de passion, c'est trop intense. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Hein, donc vous allez prendre vraiment ici ce qui résonne pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.